Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, on va parler rapidement de ChatGPT 4, enfin du module DALL-E très précisément. Celui qui est inclus dans ChatGPT 4, pas celui qui est individuel. Donc j'ai fait un certain nombre d'essais comme ceci. Donc un camion course, une voiture de course, un pick-up façon Monster Truck. Celle-ci, je ne sais plus trop la référence exacte, mais j'avais mis, je crois, décor électronique sable silicium. Ça, c'était troll devant des ordinateurs. Là, c'était pingouin qui lit devant une fenêtre. Style cartoon, me semble-t-il, comme requête. Ça, ça venait du photo avec différentes interprétations, cartoon, manga... Celle-ci venait de la photo d'un loup qui mâchait une pastèque. Et j'ai demandé une version cartooniste et j'ai obtenu ça. Celui-ci, c'est une interprétation d'ordinateur sur une base Commodore. Commodore 64, je pense. Ça, c'était une interprétation Data Center. Même chose pour celui-ci. Encore un ici avec un style beaucoup plus aérien. Là, j'ai fait des essais de table et de bouffe. Même en demandant un mode réaliste, c'est pas forcément. Ça donne plutôt un aspect cartoon. Joli cartoon, certes, mais cartoon. Quand c'est un peu plus sombre, par contre, on voit moins les détails, du coup, ça marche mieux. La même chose. Là, évidemment, on reconnaît tout de suite un style Warhammer 40K Space Marines. Donc là j'en ai fait plusieurs, j'en ai une très jolie là qui ressemble, enfin que j'aime beaucoup moi, c'est celle-ci. Qui ressemble beaucoup à des vraies figurines, qui donne vraiment un aspect figurine. Bon ça c'était une interprétation façon tatouage. En imaginant un tatouage moitié électronique, moitié cyberpunk, moitié informatique. Ça fait trois moitiés mais c'est pas grave. N'empêche que le générateur a quand même réussi à générer ça. Donc toujours sur les interprétations d'ordinateur, j'ai obtenu celui-ci, celui-ci. Celui-ci que je trouve vraiment pas mal. Puisqu'il a quand même un clavier à peu près correct. D'autant plus qu'il est loin et qu'on le voit un petit peu mal. Là j'ai demandé même style avec une deuxième interprétation. Un style cartooniste. Même chose ici, un mode réaliste, dans l'autre sens, donc la souris évidemment, alors les fils, les mains, l'orientation du regard quand il y a un personnage, ce genre de choses fonctionne encore assez mal pour l'instant. Ça c'est, je voulais voir si on pouvait faire du gore, si ça, s'il n'y avait pas de censure automatisée, donc ça passe, on peut faire des choses sympas. Ça, c'était une conversion en 6 couleurs d'une photo à destination d'un brodage façon t-shirt. Alors au final, ça ressemble beaucoup à du Guillaume de Baskerville, dans le nom de la rose. Mais c'était pas forcément voulu, c'était pas tout à fait l'esprit voulu au départ, mais ça donne bien. Donc là, c'était par rapport à la crise des agriculteurs au niveau politique, j'avais demandé une course de tracteur dans un décor. Mais ils étaient tous en vrac n'importe comment. Et quand j'ai demandé à les avoir tous précisément sur le chemin, exactly on the path, je crois que j'avais mis, là pour le coup j'ai obtenu ça qui est quand même beaucoup mieux. Là j'avais rajouté des caricatures de Macron et Attal qui fuient devant les tracteurs. Alors le premier essai est un petit peu raté. Le second par contre est absolument parfait puisque là j'ai donné en entrée deux caricatures existantes réalisées par des journalistes je suppose. Et j'aime beaucoup comment ça a interprété politicien aux dents longues. Ça donne un style faciès joker. Je trouve ça excellent. Là j'avais insisté pour avoir des mâchoires sur les tracteurs, mais ça a donné quelque chose de très moche. Et ça c'est la seconde interprétation de la même requête. Là c'était tourne-disque sur Mars. J'aime beaucoup comment il a pensé à rajouter un petit panneau solaire. Pour définir l'alimentation, pour que ce soit pas juste un truc posé au milieu.
Là, en revanche, j'ai pas eu le petit panneau solaire, donc là, c'est vraiment posé au milieu. J'ai rajouté un petit alien pour que ça donne un peu de vie. Façon DJ Alien. Là, c'est la même chose, mais réinterprété une seconde fois. Là, c'est MC Hammer. En fait, ça vient d'une image où on voit la calandre d'un GMC avec un marteau attaché dessus. Donc, MC Hammer. Donc, c'est devenu MC Hammer Concert. Et MC Hammer Concert, avec l'image du 4x4 en entrée, ça a fini par donner ça en sortie. Et la deuxième interprétation, c'est celle-ci. Donc, avec le rappeur dans le véhicule. Alors, ça m'a aussi donné l'idée, évidemment, d'avoir les oreilles qui saignent. Donc j'en ai fait deux comme celle-ci. Hop, voilà. Celle-ci vient de la fameuse blague sauver les forêts, manger du barda. Je me souviens plus de la requête exacte de celle-ci, mais j'avais dit catastrophe aérienne, montagne vue depuis le cockpit ou quelque chose du genre. Bon, ça c'était Cartoon implorant l'arrivée du prochain week-end. Là, c'était composant électronique sur un bureau. Même chose ici. Là, c'était, je crois, princesse numérique ou princesse geek ou quelque chose comme ça, la requête d'origine que j'avais mis. Alors, j'en ai plusieurs. Celle-ci est pas mal dans le sens où elle regarde vraiment son écran. J'aime bien celle-ci, là, qui fait style présentation maîtresse. Très, très détaillé avec le petit robot sur le côté, je trouve ça vraiment chouette. Et au moins là les mains fonctionnent bien. Parce que comme je disais tout à l'heure, ce que les IA ont du mal à faire pour l'instant, c'est les mains, interpréter certains mouvements, c'est dessiner les câbles de façon cohérente, les câbles et les cordages, ce genre de choses. Celle-ci est un petit peu pareille, alors c'est dommage par contre qu'elle regarde pas trop sa tablette qu'elle regarde ailleurs. Mais c'est quand même pas mal. Bon là j'avais demandé des palettes tout simplement pour faire une invitation pour aller au stock. Ça c'est très inspiré Xenomorph évidemment. J'en ai deux en principe, voilà. Donc là c'est toujours de Warhammer 40K au niveau inspiration. Ville futuriste le soir. Je crois que c'est tout ce que j'avais donné comme instruction. Donc la moto, donc là j'avais donné Motorbike on Dirt Road at Evening, je crois. Ah oui, j'avais précisé 70s Style aussi. Donc j'en ai deux. Là j'en avais demandé une Racing sans préciser d'année particulière. L'autre interprétation 70, c'est celle-ci. Et celle-ci. Que je trouve finalement la plus réussie. Donc toujours des interprétations d'ordinateur. Les claviers et les fils, c'est un petit peu du mal, mais ça passe. Une console inspirée Nintendo, bien sûr. Je trouvais que c'était un petit peu nu, enfin on trouvait que c'était un petit peu nu, donc on a rajouté un alien. Même chose ici, alors là on trouve que l'alien est tout triste, mais il n'a pas encore joué puisqu'il n'a pas encore la manette dans les mains, donc ça se peut. Là c'est bien parce qu'il regarde vers l'écran, en revanche ce qui n'est pas bien c'est que il a toujours son air triste. Donc du coup j'ai demandé un smiling avec un femelle alien, et j'ai aussi demandé un écran holographique, d'où la présence de l'espèce de planète sur le côté. Un ornithoptère inspiré de Dune. J'en ai fait un second, voilà. J'ai repris l'idée de l'alien, de l'écran holographique avec le sourire toujours. Et là, c'est encore mieux puisque là, l'écran holographique est encore mieux interprété. Là, ça part d'une photo réaliste d'une pupitreuse. Et en la retravaillant à travers DALL-E, la première requête a donné ceci et la deuxième a donné ceci. Là, c'est aussi une interprétation d'une photo.
d'éducation avec un ordinateur fictif, un personnage féminin et sa fille, ou supposée fille en tout cas, et une deuxième interprétation avec la même requête. Là, évidemment, c'était Christine Dirty Muscle Car in Infield. Ça a donné ça. J'avais demandé une Modern Card in Modern Car on Apocalyptic Road. Ça donnait ceci. Bon, ça c'était Dirt Track at Evening. Dirt Track Racing at Evening, pardon. Donc ça a interprété comme ceci, donc vraiment à la perfection. Là j'ai fait un petit peu la même chose mais en exigeant d'avoir la course qui vienne vers le viewer. Et j'aime beaucoup le fait qu'il ait généré un contre-jour en fait. Je trouve ça particulièrement joli. Là c'était Mechanical Licorne à 3. Et ça a interprété ça avec une horde de monstres et une espèce de dieu licorne mécanique. J'ai trouvé ça vraiment génial. Bon, là, c'est une inspiration Cthulhu, évidemment. Donc, j'avais mis Lighthouse Cthulhu Inspired at Night. Et il m'a sorti ça. C'est particulièrement marrant parce que juste devant le Cthulhu, on a l'impression de voir des profonds arriver sur la plage. Là, c'était oui, l'insecte en colère. J'ai quatre interprétations comme celle-ci. Donc, la deuxième. La troisième avec une araignée et la quatrième avec encore une araignée. Là, c'était la même chose en version cute manga. C'est un essai de schéma de commentaires économiques. Et comme je n'ai rien précisé d'autre sur les graphes que je voulais, sur les monnaies que je voulais ou quoi que ce soit, il m'a interprété ça comme ceci. Je trouve ça très joli, très très classe. Ça, c'est la première des deux interprétations, et on va finir là-dessus, de la fameuse blague manger du popcorn avant de mourir. Et la seconde, bien sûr, qui est comme ceci. Et on va finir par une petite démonstration, et c'est, on va sortir une nouvelle page d'Ali. Et on va voir ce que l'on peut faire. On va faire... Cartoon Style Browser Fighting at Arcadrome par exemple. On va patienter quelques secondes et on va voir ce qu'on obtient. Ça va relativement vite. En général, c'est entre 30 et 40 secondes maximum. Mais le plus souvent, c'est plutôt 20 à 30 secondes. Voire même un peu moins des fois. Alors évidemment, là, c'est l'effet démo, donc là, c'est un petit peu long. Comme par hasard. Donc il devrait sortir normalement deux images. Allez, mon petit, dépêche-toi. Ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. On va zoomer pour voir ça, mais ça a l'air pas mal. Eh, les mains sont bien réussies. Le fait que les autres gamins fassent un peu n'importe quoi derrière, j'aime beaucoup. Oh, l'autre, qu'est-ce qu'elle fout en hauteur là? On sait pas. J'aime bien. Bon, là, on voit moins l'aspect fighting, mais c'est quand même cool. Je vais mal noter celle-ci parce qu'on voit pas le fighting. Celle-ci, oui. Je vais même me permettre, si vous permettez, de la garder. Hop, voilà. Je vais juste refaire un petit truc. Realistic style, on va essayer. Voir ce que ça peut nous donner.
Dépêche-toi, mon petit. Alors, le module DALL-E qui est ici, c'est celui qui est intégré à ChatGPT-4, donc la version payante. L'image générateur est un sous-module qui exploite DALL-E avec des paramétrages déjà mis en place. Math est un module spécifique pour les mathématiques de ChatGPT. UseCars est vraiment fait pour générer des images de voitures et HotMods aussi. Ah, c'est marrant, c'est pas du tout à ça que je m'attendais. Alors, on n'est pas du tout dans une ambiance fight pour le coup, et plutôt dans une ambiance délire débile. N'empêche que l'image est jolie. Bon, là, elle est un petit peu plus plus folle et inutile, donc celle-ci est quand même moins bien. Mais la première est pas mal. Celle-ci est franchement pas mal. Allez, je vais l'enregistrer et on va finir là-dessus. Là, on a vraiment l'impression que c'est un des frères qui fait n'importe quoi et puis l'autre qui essaye de le rattraper pour pas qu'il se blesse. Je trouve cette interprétation-là plutôt sympathique.